Non ! Un joli sourire. Je vais boire tout l'eau de Pokémon ! C'est parti ! Regardez ce gamin nul, vient de boire toute l'eau du Lake Madison, mais quelle connerie, comment on va faire pour boire et se laver maintenant? Vous avez sûrement raison. Espèce de sale débile, on boit pas l'eau du lac, mais du puits donc tout va bien aller. Il ne m'a pas dit toute la vérité, après j'ai aucune preuve pour l'accuser donc... Oh mon dieu, il a aussi bu toute l'eau du puits, on est vraiment foutus, je vais pas pouvoir laver mon cornichon. Attendez, mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Lake Madison il est vide? Qu'est-ce que t'as fait, espèce de fou? T'as pas honte? Comment on va faire pour vivre? Comment je vais faire pour aller me baigner? Comment je vais faire pour boire? En plus, t'as vidé le puits! Mais t'es vraiment bête, toi! Et furieuse, j'ai peur que t'aurais pu surveiller ton fils, quand même, hein! T'as pas honte? Toi, tu laisses ton enfant boire l'eau de Brookhaven! Vraiment, tu devrais avoir honte! Tu es pas un bon père, ça te dégoûte! Moi qui pensais que t'étais un bon youtubeur. Je comprends pas pourquoi Oda, il est fan de toi. Mes amis, écoutez-moi! Je suis le nouveau chef de Brookhaven. Et aujourd'hui, je décide d'exclure la famille de Furious Jumper de cette ville. Ils ne seront plus acceptés nulle part. S'ils veulent aller à la banque, ils ne pourront pas. S'ils veulent aller au diner, ils ne pourront pas. Ils sont bannis de Brookhaven à jamais. Mais c'est excellent! Ouais, c'est excellent! Enfin débarrassé de vous! Cornichon est le meilleur chef de l'histoire de Brookhaven. Alors je le suivrai partout, et s'il décide de bannir Fury ou Jumper, alors je pense qu'il a raison. Je pense aussi, il avait qu'à s'occuper de son fils, et ne pas le laisser boire le lac, tous avec Cornichon.